Bonjour la famille, comment vous allez ce matin? Moi de mon côté, ça va hyper super bien par la grâce de Dieu. La nuit a été géniale et bon, je suis très ravie d'être devant vous ce matin en train de faire cette vidéo. Le Seigneur renouvelle la vie, le souffle de vie, c'est l'essentiel. Bienvenue sur votre page Best for Mass TV, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. Comme vous le savez si bien, ici on est spécialisé dans le Japap et le béret des stars en Afrique et de par le monde entier. Je me présente, je suis Afro Princesse, l'assistante de Best for Mass pour vous faire plaisir. La famille, chaque jour qu'on donne, on se réveille sur le méta s'il y a les nouveaux dossiers. Il dit qu'il y a un nouveau dossier tous les jours. Ouais, on va même se reposer. On ne peut pas se reposer, je vous assure. Et cette fois-ci encore, je viens parler de ma star. Parce que tout le monde sait que je l'aime bien sur cette page, Emma Lewis. Toujours avec l'affaire de Monsieur Touré. Mais l'histoire, ça va même finir un jour, Adama. Récemment, c'était que oh, qu'elle part à lever sa plante. Oh, elle doit toujours à Monsieur Touré. Ils sont en justice. Monsieur Touré a eu gain de cause. Nanani, nanana. Montée, descend. Monsieur Touré continue à parler de cette affaire d'une manière qui n'est pas bien. Il dit qu'il a dû prendre, il a dû s'endetter pour réfectionner sa maison, quoi. Et l'endettement, là, il ne va pas toucher la rente du loyer pendant 4 ans pour rembourser cette dette. C'est-à-dire, tout le loyer qui va venir, il va seulement rembourser la dette. Mais cette histoire, si je me demande même quels seront les tenants, les aboutissants de ça. D'une part, je sais que Emma Louis, c'est vrai que c'est ma star, elle a sa part de tort sur ça. Mais maman, on a déjà assez gâté ton nom comme ça. En tout cas, je vous laisse écouter la vidéo. En tant que normalement star de ton envergure, je pense que s'il y a quelque chose à dédommager, tu dédommages, tu quittes derrière les problèmes parce que ça date déjà quand même de longtemps. Il fait que se plaindre, il fait que se plaindre. C'est quand même un monsieur également qui travaille à la sueur de son front. Et je vous assure que parfois, même les bailleurs souffrent avec les locataires. Regardons ça et on se revient juste après pour le débriefing. Quand on sonne dehors, on sonne ici, et ici, ici, là, et là. Ils ont décroché, ils ont coupé tous les fils à l'intérieur et ils ont repositionné comme si rien n'était. Ça, là encore, je dois commander. Si elle-même l'a fait exprès pour vandaliser la maison, comme elle peut, ce qu'elle a fait, elle ne peut pas rattraper. Voilà le problème de cette influenceuse à deux balles. Parce que de la manière elle a vandalisé ma maison, quand je lui dis même ma maison en état, elle ne peut pas. Ce n'est pas possible. Elle va enlever ces millions où? Elle va enlever ces millions-là où? Puisqu'elle-même elle a donné l'ordre. Parce que je ne peux pas comprendre que le vidéophone, vous décrochez, vous coupez tout à l'intérieur, vous fixez comme si rien n'était. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. Mais moi, je n'ai pas. Vous ouvrez, vous regardez, peut-être que M. Toura a dû cacher les caméras ou bien un truc comme ça. Et si vous ne vous trouvez rien, vous fermez. Mais vous n'avez pas à couper tout. Vous cachez quoi ici? Il y avait quoi ici qu'on ne doit pas savoir? Vidéophone, c'est pour vous, mais votre sécurité que j'ai mis. J'ai mis là, au moins quand on sonne, on voit qui rentre. Mais avant de partir, si tu coupes tout à l'intérieur et tu mets comme. Non, c'est méchant. Ouais, je suis en. Comment on dit ça là même? Je suis sur mon chantier. Et ici, je vais faire une piscine. Je vais faire une piscine ici. Je vais faire un restaurant ici. Je vais faire tant ici. Je vais faire. Donc, je vais vous montrer. Je suis sur mon chantier. Je vais faire une piscine ici. Une piscine. Je vais faire. Ici, c'est quoi la même? Un bar ici. Là-bas. Bon. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis en réflexion. Ou bien, là, on laisse, non? Je suis en réflexion. Ne riez pas, hein? J'ai coupé. Ne riez... ne riez pas. Je maudis le jour où j'ai décroché le téléphone de cette dernière. Je maudis ce jour-là. Parce que j'ai eu que des embêtes. Que des problèmes. Je maudis ce jour que j'ai décroché son téléphone. Tu souffres, tu construis ta maison. Déjà, quand tu construis une maison, tu te prends la tête avec les maçons, l'électricien, le plombier, le carreleur. Voilà. Là, c'est plus moi. Hein. Vous voyez? Voilà, c'est lui qui s'en occupe. À montrer qui tu es au monde entier. Donc ça là, c'est collé sur elle. Mal à loyer impayé pendant
Non, c'est fini ça. C'est une étiquette. À effet rouge là, c'est collé sur elle. Voilà. Dieu ne fait rien pour rien. Hein. Parce qu'elle a dégradé la maison d'un monsieur, d'un autre. Moi, je suis le troisième. Dieu dit là, lui là, c'est ton terminus qui est là. Et c'est moi le terminus. Démystifier ça, montrer que bling bling là, sur les réseaux là, faites attention. Beaucoup de mensonges dedans. Même si quelqu'un prend la maison, c'est-à-dire 4 ans gratuit, la personne, même si la personne paye le loyer, si ça part sur le prêt, c'est-à-dire la maison, mais la personne va rester 4 ans dedans en fait. Je ne vais pas, même pas toucher 5 francs. 4 ans, vous comprenez, 4 ans. Matinette de la porte, tu es méchante. Merci Tatiana Ali. Merci Tatiana Ali. Mais comme j'ai dit, Tatiana Ali, j'ai pas vu la vidéo, comment on appelle, la vidéo où, je sais pas où, il parlait de voilà, j'ai pas vu, mais quand même, bon, j'ai dit que, ouais, c'est vrai que j'ai mangé avec cette famille, les enfants sont vraiment bien et tout. Mais Mana de la porte n'était pas là. Non, Mana loyer payé n'était pas là. Martinez voleuse de porte n'était pas là. Voilà. Ça, c'est une vérité. Voilà. J'ai jamais bu d'eau avec elle. Qu'on n'a pas su dire que, voilà, c'est la famille, on a mangé ensemble, mais elle, on a mangé qu'avec lui. Mana loyer payé n'était pas là. Elle n'était pas présente. Voilà, c'est juste ça, peut-être qu'elle a peut-être oublié de mentionner. Je l'ai traîné en justice parce que ça devenait un peu comme une foutaise. Voilà. Et la justice a tranché pour dire que elle a fait appel. Donc je devais l'attaquer au paiement. Mais pour l'attaquer au paiement, j'ai eu quand même des personnes, des amis en commun et tout qui m'ont appelé. Monsieur Touré, voilà, voilà, Prince, voilà, il faut essayer de voir. J'ai dit bon, ok, j'ai dit à mon avocat, écrit à son avocat ce qu'elle-même pense qu'elle peut donner là. Ce qu'elle a, moi, il n'y a pas de problème qu'elle envoie. Malgré que j'ai dépensé des millions pour arranger cette maison, ce qu'elle a. Mais elle n'a rien, elle n'a pas répondu. Moi, toi, tu me dois 10 millions. Au lieu de t'envoyer au tribunal, j'ai dit, bon, ce que tu envoies. Mais si tu as 500 000, tu as couru venir me donner. Quand je lui ai dit, ah, c'est 50 000, tu m'as dit, mais c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit ce que j'ai. C'est 500 000 que j'ai, voilà, je suis venu te donner 500 000. Mais si la personne ne répond pas, c'est qu'elle se fout de toi, de un. Ou elle n'a pas, elle n'a rien. C'est du bling bling, du m'as-tu vu. Sinon, comme c'est les vacances judiciaires, on attend que les vacances judiciaires passent. Maintenant, je l'attaque maintenant au paiement. Là, je vais aller très fort. Il n'aura même pas de cadeau après. Prochaine vidéo, là, ça va. Là, je vais aller très très fort. Je ne vais pas m'amuser. La prochaine. Bon, nous avons tous ensemble suivi la vidéo de Monsieur Touré. Je ne pense pas vraiment que je vais ajouter quelque chose parce que là, il a été très, très clair dans ça. Il a dit qu'il va venir nous donner les aboutissants de ça tout le temps. Comme actuellement, c'est août, il y a les vacances judiciaires. Moi, je reste à l'écoute de ce problème. Je vous dis de très près pour venir partager avec vous la famille. Pour le moment, je ne vais pas prendre position parce que il est bien vrai. Je sais que Monsieur Touré a raison, mais Emma Loewe s'est exprimée aussi. Mais elle ne s'est vraiment pas exprimée clairement par rapport à cette affaire. Vous voyez un peu, raison pour laquelle je suis toujours en train de parler avec les doutes. Les doutes, j'ai préféré d'abord vous faire part des propos de M. Touré, même comme il était très clair et ça prouve qu'il a pas franchement raison quand même sur cette affaire. Mais comme on dit généralement, on ne suit pas une bouche. Mais je te souhaite vraiment beaucoup de courage, M. Touré. C'est pas du tout facile de construire sa maison après d'être, victime de tant de dégâts. Les réflexions de la maison, ça ne joue pas. Parfois, les réflexions de la maison peuvent être chères, peuvent coûter même plus du quart de prix de ce que tu as construit la maison, même à tout entier. C'est pas du tout évident, surtout qu'il y a autant de dégâts. Il y a quoi à toi, monsieur, et beaucoup de courage pour la suite. Bon, la famille, c'était juste mon point de vue par rapport à cette petite vidéo. On va suivre le problème de bout en bout. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Je vous assure que vous êtes la meilleure communauté du monde. Je dis la meilleure. C'est vrai, les autres ont les lions, ils ont les Emma Love, ils ont les Eka et tout. Mais ça là, la famille, vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. Excellent mardi sous la protection divine. N'oubliez pas de prier parce que je le dis tout le temps dans les fins de mes vidéos. C'est Dieu la base. Bisous, bisous et à tantôt.